Bonsoir à tous. En ce lundi 11 décembre 2023, c'est le cinquième numéro d'iWeek Express déclenché par l'arrivée des nouvelles versions des OS. Il y a quelques minutes, Fabrice Neumann, salut. Salut, Benjamin. Salut à tous. Bon, on commence par iOS. On parle de la version 17.2 avec le journal Enfin. Et eh oui, euh, c'est vraiment dans iOS 17.2 qui a le plus de nouveautés. Et donc avec cette fameuse appli journal, qu'on a tendance à appeler journal intime euh, en, en français, euh, je pense qu'il ne faut pas se tromper, euh, parce que je pense que ça pourrait euh, restreindre un petit peu l'utilisation de cette application si on utilisait, on disait juste journal intime, alors que c'est vraiment une application qui est destinée à permettre de noter des éléments marquants euh, de la journée. Avec justement ce petit truc en plus par rapport à juste à un journal intime qu'on pourrait garder soit sur papier ou soit dans l'application Note, c'est que cette application va proposer à la fin de la journée ou en tout cas au moment que l'on décide parce qu'on peut aussi mettre en place quelques des notifications pour avoir des rappels, pour se rappeler qu'il faut noter deux, trois trucs. Euh, et s'appuyer sur ce qui s'est passé dans la journée. L'iPhone connaît euh, votre agenda, euh, sait où vous êtes, euh, etc. Et donc, euh, peut vous proposer aussi, tiens, euh, t'as pris une photo à, à, à telle heure, euh, qu'est-ce que c'était L'idée, c'est de garder une trace de, de, de la journée. Ça peut avoir plein d'avantages pour euh, d'abord... Pour garder des souvenirs. J'ai entendu des gens qui ont commencé à l'utiliser avec la bêta qui disaient Mais ça, c'est super pour mes enfants. Ils pourront relire ça dans 25 ans et ils auront une petite idée de ce qu'était ma, ma journée ou mes journées. Mm -hmm. J'ai trouvé ça plutôt, plutôt intéressant. L'autre nouveauté très intéressante, surtout à l'approche de la sortie du Vision Pro, c'est la possibilité de tourner des vidéos spatialisées avec un iPhone 15 Pro ou Pro Max. Voilà, c'est bien. Limité à ces deux modèles-là. Euh, on met, euh, alors je crois qu'on ne peut les tourner qu'en mode de paysage. Hein. Il faut, on ne peut pas faire de vidéo verticale en, en, en spatial, C'est donc de la vidéo en 3D, en gros, qu'on pourra visualiser dans le, le Vision Pro, puisque ça utilise deux objectifs en même temps. Ça veut dire aussi que pour l'instant, les vidéos enregistrées dans ce mode sont limitées au 1080p, au mode HD. On ne peut pas faire de vidéo. 3D spatial en, en 4K, euh, mais on peut commencer à se, donc à se créer des souvenirs vidéo en 3D pour les heureux jours où on aura euh, le, le, la joie, le bonheur, l'avantage de s'offrir un Vision Pro. Passons à, à, à Message, à l'appli Message. Message, euh, le peut-être le truc le plus pratique, et, et c'est tout bête, c'est une petite flèche qui permet de remonter jusqu'au dernier message non lu dans une conversation. Et c'est souvent pratique quand on a un, un, une conversation de groupe et euh, qu'on a eu deux, trois ou quatre heures de trou, on n'était pas là pour lire tous les messages, et euh, alors que les autres participants en groupe on, se sont échangés plein de messages. Un petit, une petite tape sur cette flèche et on remonte sur, euh, en haut de toute la liste des messages que nous, on n'a pas lus, de tous les messages non lus. Ça, c'est bien pratique. Je rêve où il y a une nouvelle fonction pour s'assurer avec qui on cause euh, euh, par e-message. Alors c'est quelque chose qui repose sur de la cryptographie bien sentie. Donc il y a je ne suis pas sûr de savoir comment ça fonctionne exactement, mais on peut s'envoyer des codes de vérification par contact pour vérifier qu'on est sûr de parler à la bonne personne. On n'est peut-être pas loin de ce que propose le fameux Olvid que le gouvernement mm -hmm. a, a essayé de d'imposer à ses membres. <laughs> On va passer au bouton action, Fabrice. Euh, donc, on parle de l'iPhone 15 Pro et du Pro Max avec une nouvelle option. Une nouvelle option pour lancer euh, l'application de traduction automatique. Euh, voilà, c'est pratique quand on quand on voyage. Cette, euh, on rappelle hein, qu'en fait, les iPhones ont une application en traduction euh, installée en, en standard depuis plusieurs années maintenant, qui permet de, fait, de faire de la traduction mot à mot ou de phrase, mais aussi en mode vocal. Et donc, on peut parler dans sa langue avec un interlocuteur qui lui aussi parlera dans sa propre langue, et c'est l'iPhone qui fait l'intermédiaire en traduisant ça automatiquement. On peut lancer ça automatiquement maintenant avec le bouton action des iPhone 15. On passe à iPadOS 17.2, Fabrice Est-ce qu'il y a beaucoup à dire bah, Je pense que c'est la même chose que ce qu'on vient de dire pour iOS 17.2, donc du coup, euh, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de plus. Bon, alors euh, macOS peut-être Et là, c'est la 14.2. Ah, J'ai cru que tu allais dire que c'était la Cata. <laughs> Alors ce n'est pas la cata, c'est la 14.2, mais dans laquelle il n'y a pas grand chose non plus. C'est-à-dire que euh, je ne crois pas avoir vu, par exemple, l'application journal disponible pour, pour macOS. Euh, en revanche, on retrouve. Non, que sur iPhone, hein, effectivement. Et que sur iPhone. On retrouve euh, la petite flèche pour l'application message qu'on vient de décrire. Et puis euh, l'amélioration la, du remplissage automatique des PDF. Euh, à l'image de ce qu'on peut faire dans une page web quand on a un formulaire à remplir, ça marche aussi dans les PDF. Voilà, euh, ça marchait déjà, mais c'est maintenant un petit peu amélioré. PVOS maintenant pour euh, l'Apple TV Fabrice, c'est aussi la 17.2, et euh, là, bah, on va pouvoir euh, découvrir un nouvel onglet de, de films. Euh, là aussi, euh, Apple prépare l'arrivée du Vision Pro. Oui, euh, avec euh, l'arrivée des films en 3D, mais euh, ce sera pas forcément dans euh, TVOS, parce que pour regarder des films en 3D sur son téléviseur, ce sera pas ça. En revanche, on peut s'attendre à l'apparition, en fait, de, de cette fonction dans l'application TV, qui aura, euh, qui sera forcément présente dans le Vision Pro. Et à ce moment-là, pour lancer directement, peut-être pourquoi pas, les, les vidéos qu'on aura euh, saisies avec son iPhone 15 Pro euh, au préalable. Et les films en 3D qui seront aussi dispo dans l'Apple TV. Oui, on sait qu'il y a aussi même certaines séries qui euh, de d'Apple TV qui sont tournées en, en 3D ou en tout cas avec le procédé. Euh, alors, j'imagine pas pas avec l'iPhone, mais avec un procédé un petit peu plus euh, euh, comment dirais-je avancé. Euh, et donc. Euh, il euh, ne faudrait quand même pas que ça, euh, ça m'oblige ou en tout cas que ça me pousse à, à acheter un Vision Pro simplement pour For All Mankind. Allez, on termine avec WatchOS 10.2, Fabrice. Ah, écoute, moi j'ai noté un truc euh, euh, essentiel, c'est qu'on va pouvoir de nouveau changer son cadran sans avoir besoin de faire un appui long au préalable sur l'écran. Simplement d'un simple glisser du doigt euh, latéral, gauche ou droite, pour faire passer euh, d'un cadran à l'autre euh, tous les cadrans qu'on aura euh, programmés au préalable. Euh, ça, 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 moi, ça me manque beaucoup hein, sur WatchOS 10 aujourd'hui euh, et je pense que c'est bienvenu que ce soit de retour. Et puis, euh, dernier mot, Fabrice, pour euh, Siri qui euh, a désormais accès aux, aux données de santé. Honnêtement, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, euh, je, parce que d'abord, je n'utilise pas beaucoup Siri, mais est-ce que ça veut dire simplement qu'on va pouvoir demander à Siri, tiens, au fait, combien j'ai fait de pas hier, par exemple, ou des choses comme ça Je suppose que c'est ça qui va être possible. Euh, je crains que de toute façon, Siri ne comprenne pas la question, donc on verra. Où être S11. <laughs> dernier mot, euh, tout dernier vraiment, Fabrice, qu'est-ce qu'on fait avec ces mises à jour Est-ce qu'on attend avant de les installer ou pas alors, Ellie euh, serait là et nous dirait que c'est 17.2 et que c'est un chiffre pair et que euh, c'est louche. <laughs> euh, euh, je crois qu'en malgré tout, euh, les, euh, y 5, euh, non, qu il y a eu quatre ou cinq. Non, je crois qu'il y a eu quatre bêta pour la 17.2 avec ensuite une release candidate, comme on dit en bon français. Euh, je pense que là, il n'y a pas de problème. Mais cela dit, il euh, n'y a pas de, de forcément d'application de, essentielle ou de nouveauté essentielle. On peut peut-être attendre de trois jours pour voir si effectivement il ne se passe rien. Euh, et puis, si vraiment euh, l'application journal vous manque terriblement, eh bien commencez à prendre des notes et puis vous les remplirez dans trois jours. Merci Fabrice. À très vite pour un nouveau numéro Week Express, le premier podcast à parution imprévisible. En attendant, on vous donne rendez-vous évidemment chaque semaine avec iWeek, la semaine Apple. À très vite. À très vite.